Kiko à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul FDECO. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je n'avais pas commandé sur cette boutique et je me suis fait plaisir, mais enfin, du moins, j'ai même pas. J'ai craqué. J'ai pas craqué beaucoup, mais j'ai craqué sur une collection. Comment vous dire? Du tonnerre? Super. Enfin, voilà, vraiment, elle est au top, elle est géniale. Écoutez, je vous la montre tout de suite. On regarde tout de suite. Donc, j'ai juste pris la peine d'ouvrir comme ceci. Oups. J'ai juste pris la peine d'ouvrir, voilà, pour pas faire trop de bruit. Mais je n'ai pas regardé. Je suis prêt. Je suis, on va dire, il me tarde. Voilà. Alors. Hop, hop, hop. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà. Et c'est tout. Donc vous voyez, c'est vraiment une toute petite commande. Alors. Oh, magnifique carte. J'adore. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. C'est très très joli. Puis ces fleurs sont magnifiques. Magnifiques. Alors, qu'est-ce que nous avons? Chers clients, je vous remercie pour votre achat et votre confiance. J'espère que nos produits vous apporteront entière satisfaction. N'hésitez pas à partager vos créations avec nous dans notre groupe Facebook Fans de Déco, dont je suis, ou en nous taguant sur les réseaux sociaux, ce que je ne manquerai pas de faire. Voilà. Et là, vous avez, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez, si vous arrivez à voir comme il faut, voilà, vous avez le site internet. Signé Marie. Vraiment très jolie petite carte. Elle fait vraiment de l'effet. On va la mettre par là. Voilà. Ensuite, ah, ça doit être un petit cadeau parce que ça, par contre, moi, j'avais pas. Voilà. Ça c'était pas. Oh, bah, je pourrais. Si, si, je m'en servirai, je pense. Je m'en servirai. Je remettrai un petit peu de blanc parce que moi, ça fait trop foncé pour moi. Ça, par contre, c'est sympa. Ça aussi. Et c'était donc une collection Magnolia Sky. Bon, à la limite, on peut même se resservir de ceci pour. Ouais, c'est sympa. Merci Marie. Alors, eh bien, on va passer directement dans le vif du sujet parce que cette collection, je l'ai vue, du moins j'ai reçu un mail, parce que je suis abonnée à la newsletter, j'ai reçu un mail et. Je suis tout de suite allée voir la vidéo de présentation du papier, des nouvelles collections qu'elle avait reçues. Et ça, c'était la première collection. Et honnêtement, pour ceux qui aiment le chabi, c'était une tuerie. Si je peux m'exprimer ainsi. Allez, on regarde tout de suite. Déjà, le dos, le papier de la fin, très joli. Donc j'ai pris deux blocs. J'ai pris deux blocs. Deux petits blocs en 20-20, parce que pour ce que je veux faire après. C'est suffisant. Pardon pour le bruit. J'ai tout pris? Oui. Encore pardon pour le bruit. Donc on peut même se servir de ce qu'il y a devant. Mais je pense que derrière, ça va nous plaire encore. Ça va me plaire encore mieux. Ah oui. Oh, magnifique. C'est vraiment très joli. Je regrette pas du tout. Très très beau papier. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime encore plus. Voilà. Et nous l'avons en double. Alors ça, par contre, je vais être honnête, j'aime moins, mais bon, voilà. Alors ça, par contre, j'adore. Voilà, vraiment magnifique papier, sublime. Sauf que je vous le mets à l'envers, en fin de compte. Là. Voilà. Magnifique papier. Super. Donc, bien sûr, présenté en deux fois. Celui-ci aussi est très, très joli. Alors, ce marbre aussi, par contre, j'aime déjà beaucoup mieux que l'autre. Ah, c'est très, très beau. Je vous le remets dans le bon sens. Magnifique. Avec ses effets aquarelles et tout. Très très joli. Donc ça c'est la même chose. Et ça c'était la feuille que nous avions vue
à la fin et au dos, nous avons les rayures vert d'eau. Magnifique. Vraiment très très belle collection. Alors moi ensuite, je me suis pris, donc ça c'est encore autre. Ça je le prendrai après, par rapport à la collection, je me suis pris des stickers. Pardon. Non, là. Je me suis pris les deux planches de stickers qui étaient disponibles. J'adore, j'adore. Alors ensuite, j'ai pris les die cuts. Voici. Donc bien sûr, hein, c'est pour faire un album. Hein. C'est pour faire un album. Hop. Ben, même ça, vous voyez, même le papier là, le petit papier rose, on peut même garder, on peut même récupérer la petite fleur qui est là. Vraiment très très joli. Alors je vous les montre très rapidement. Ou le mieux, c'est que je vais vous les mettre, je vais vous les disposer. Hein, je vais couper, je vais vous les disposer et vous pourrez les mieux les voir. Ensuite, donc j'ai tout étalé. Je vais prendre mon téléphone en espérant pas trop trembler. Je suis désolée si je vous fais bouger et regardez cette beauté, c'est magnifique, vraiment magnifique. Voilà. Donc je range tout ça et je reviens vers vous. Ensuite, je me suis pris toujours pour faire l'album. Du moins, je pense que je vais m'en servir pour l'album. Je me suis pris une petite shaker, shaker fenêtre. Voici. Après, je me suis pris un pochoir. Comme ceci, avec des phrases, tout simplement. Voilà. Donc, pour le haul, c'est terminé. Vous voyez, c'était vraiment... j'étais très, très sage. Par contre, va suivre un tuto hein, concernant cet album-là. Je suis en train de voir un petit peu pour vous faire quand même quelque chose qui soit sympa quand même. Hein, qui soit quand même très joli et sympa. Ça sera sûrement, par contre, ça sera en plusieurs vidéos. Parce qu'en une vidéo, ce n'est pas possible. Ça sert à rien que ça dure non plus 3 heures, voilà. Et puis, j'ai pas envie de vous mettre tout en accéléré. Le but, pour les personnes qui débutent aussi, c'est aussi de leur expliquer. Donc, que ça soit la relure, que ça soit... Enfin, il y a tellement de choses à expliquer dans un album quand on débute que... Voilà. Voilà. Et puis, j'ai eu des demandes par mail, donc justement d'albums pour les débutants. Donc, j'essaierai de vous faire quelque chose de facile parce que c'est vrai que moi, je... Le facile, c'est pas trop mon credo en général. Mais bon, j'essaierai, du moins dans les albums, c'est pas évident pour moi, je dois pas savoir faire. Donc écoutez, je reviens très vite avec un album. Pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications au fur et à mesure que je vais sortir les vidéos. Et puis voilà, j'espère que ce petit haul vous a plu. Et vraiment, cette collection, elle est splendide. Pour ceux qui aiment le shabby, bien sûr. Pour ceux qui aiment le romantique. Hein. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye!